Nous sommes le 4 février 2022. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Les lauréats de l'Université du Burundi et de l'École normale supérieure qui attendaient leur diplôme depuis 2008 vont bientôt les avoir. Les propos sont tenus par le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, ce vendredi. Selon lui, la commission d'entérinement de diplôme les a déjà signés. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Nous allons également vous parler des difficultés que rencontrent les pêcheurs du port de pêche de Kajaga. La télévision Sanganilo est allée à leur rencontre et vous verrez au cours de ce journal que vendre le poisson est devenu pour eux un véritable travail de titan. Tout de suite, les détails. Ouvrons ce journal par cette page de l'éducation. Environ 3000 diplômes de l'Université du Burundi et près de 1500 de l'École normale supérieure sont déjà signés par la Commission nationale d'entérinement de diplômes et sont prêts à être retirés. Les lauréats qui attendaient ces diplômes depuis 2008 et les années suivantes sont appelés à vérifier sur les sites, plutôt sur les sites officiels de ces deux institutions pour pouvoir les récupérer. Suivez le ministre Habyarimana, François, qui s'exprime à ce propos. Des réunions ont été également organisées à l'endroit des responsables de l'Université du Burundi et de l'École normale supérieure pour notamment résoudre le problème de délivrance des diplômes aux lauréats de ces institutions, en particulier ceux qui ont évolué dans le système BMD. Le travail est suffisamment avancé et on estime que d'ici peu, cette question sera totalement vidée. Pour être plus concret, au moment où je vous parle, à l'Université du Burundi, 2997 diplômes, dont 1559 diplômes de baccalauréat et 1418 de l'ancien système sont prêts à être retirés. Un autre lot de 706 diplômes de baccalauréat sont déjà entérinés et prêts pour être signé par les représentants de la Commission nationale d'entérinement et pourront être retirés la semaine prochaine. Pour l'École normale supérieure, 1494 diplômes, dont 1330 diplômes de baccalauréat, sont prêts à être retirés. La liste des lauréats de ces deux institutions, dont leurs diplômes sont prêts à être retirés, se trouve sur les sites de l'Université du Burundi et de l'École normale supérieure. Nous invitons les lauréats des deux institutions à consulter régulièrement les sites de leurs institutions d'origine pour voir si leurs diplômes sont prêts afin de venir les retirer. Au niveau de l'enseignement post-fondamental, une campagne de signature de diplômes d'État a été effectuée car les diplômes d'État des éditions 2018, 2019, 2020 et 2021 n'étaient pas encore signés. Cette campagne a permis de signer tous les diplômes dont les dossiers de leurs propriétaires étaient en ordre. Désormais, les lauréats de l'examen d'État n'auront plus besoin de faire une demande de retrait express de leur diplôme d'État car ils seront disponibles dans leurs écoles d'origine. Le Conseil national des jeunes devrait être inclusif compte tenu de la diversité de la jeunesse burundaise. Propos tenu par le président du parti Codebou au moment où les préparatifs des élections des organes dirigeants de ce conseil sont en cours. Kefani Wizi appelle les jeunes à participer aux élections programmées pour lever les inquiétudes. Suivez-le. Au Forum national des jeunes, il s'agit d'un organe qui a été mis en place pour constituer des cadres d'expression aux jeunes à travers lequel ils pouvaient exprimer les difficultés, les problèmes qu'ils ont, mais aussi
où il pouvait donner des propositions à ce qui est de différents projets qui sont en train d'être réalisés dans le pays. Et ça pouvait aussi être un cadre qui permet d'une organisation d'autodéveloppement, notamment en ce qui est de renforcement des capacités ou la mise en place des projets des jeunes. Ce forum devrait aussi aider la jeunesse à ne pas participer dans les actions qui pourraient perturber la paix et la sécurité dans le pays. C'est un forum qui devrait être inclusif, compte tenu de différentes composantes de la société burundaise, à ce qui est de la composition sociale, donc au niveau ethnique, au niveau du genre, mais aussi au niveau politique. On devrait, les comités représentants de ce forum devraient refléter ces diversités ethniques, politiques et du genre, et pour qu'il soit plus représentatif que possible. Ce qu'on devrait faire, c'est que tout commence au niveau des collines. Nous, on invite tous les jeunes, que ce soit les jeunes affiliés aux partis politiques ou des jeunes qui ne sont pas dans les partis politiques, il faut qu'ils participent massivement dans ces élections collinaires, parce que ce sont les élites collinaires qui vont donner l'image de ce qui va suivre. Même s'il advenait qu'on constate qu'au niveau communal, au niveau provincial, il y a un groupe, soit politique ou ethnique ou du genre, qui est sous-représenté, on devrait y mettre une attention particulière pour que dans chaque province, les trois diversités que nous avons citées et donc soient toujours là dans la constitution des comités et de ce forum au niveau local, voire même au niveau national. Et le parti UPRONA, de son côté, souhaite qu'il y ait plus d'exclusivité dans l'organisation des élections au sein du Conseil national de la jeunesse. Dans une interview accordée à la radio et télévision Isanganiro, le président de ce parti estime que si l'organisation de ce conseil reste telle qu'elle est depuis 2015, ce conseil risque d'être comparé à une ligue d'un parti politique. Je vous propose de suivre le président de ce parti, Olivier Mounzidza. Avoir la mission du Conseil de la jeunesse, c'est pour bien sûr essayer de rassembler tous les jeunes pour pouvoir étudier les questions qui concernent la jeunesse. En 2015, ce que nous avons constaté, nous-mêmes sur terrain, on a vu que la grande majorité de ceux qui se retrouvaient dans les organes à partir de la commune, province, jusqu'à même au niveau national, c'était la grande majorité les membres du parti au pouvoir. Les organes qui sont en train d'organiser les élections, aujourd'hui nous avons vu qu'au niveau national, il y a les membres, et c'est inclusif, des différents partis politiques, même le parti UPRONA est représenté. Nous demandons que même à la base, ce soit ainsi, que ça reflète la confiance, que ceux qui vont organiser dans les collines et dans les communes soient vraiment des organes inclusifs pour que tout le monde participe, mais aussi que ça soit bien transparent. C'est ça ce que nous demandons, et de veiller à ce que ça ne soit pas de la même chose que ceux de 2015. Si ça revient de la même manière, ça sera un conseil qui sera comparé à un ligue d'un parti politique au lieu d'être un conseil national. Alors nous demandons que ça soit vraiment un ligue de jeunes où il y a des jeunes des partis politiques, de sociétés civiles, de confessions religieuses différentes, pour qu'effectivement toute la jeunesse ait confiance de son conseil. Sinon, au contraire, nous avons aussi entendu qu'il y a un manque de moyens. On n'a pas vu beaucoup de choses, le conseil n'a pas travaillé, peut-être c'était nouveau, mais en tenant compte des activités qu'il devrait mener, on a plaidé qu'il y a un manque de moyens. Il faut alors que le gouvernement, une fois mis en place ses organes, et leur donne des moyens nécessaires pour que ces objectifs soient atteints. Et toujours à ce propos, le parti SNL estime que les dirigeants devraient tout faire pour que toute la jeunesse se sente impliquée. Le député Agathon Rwasa rappelle les autorités qui sont là, qui sont là pour toute la nation. Et continuons ce journal par cette page du commerce. Les pêcheurs du port de pêche de Kajaga disent qu'ils éprouvent des difficultés pour vendre leurs poissons et conserver les différents
outils de pêche. Ils expliquent que cela est dû au fait que les particuliers louent ces places et dépassent les 150 mètres. Ils trouvent que la mesure de respect des 150 mètres devrait être respectée. Suivez-les. Un tampon de 150 mètres n'est pas respecté. Vous voyez là où il y a l'étole dans le lac Tanganyika, là on ne peut pas y arriver. Cette plage, arrivée jusqu'au pavé, les 150 mètres sont un peu en avant. Mais on ne peut rien y construire et on ne peut rien faire car un particulier nous interdit, disant que c'est son espace réservé à ne pas franchir. On a essayé de soumettre cette question aux différentes autorités, mais sans succès. Chaque fois, on entend ici et là des locataires qui viennent nous dire que différentes places sont les leurs. Et on se retrouve avec une petite place où on peut vendre ou conserver nos poissons et outils. Nous demandons au ministère habilité de faire respecter cette mesure. Ok, la plage est à 100 mètres. Avant, la plage était à 100 mètres. Les eaux du lac avaient même débordé jusqu'ici où nous sommes. La question alors est que les locataires nous interdisent de travailler à notre espace comme prévu. La mesure de respect des 150 mètres a été appliquée aux constructions anarchiques. Nous souhaiterions que ça soit également respecté pour le lac Tanganyika. Nous demandons au ministère de l'environnement qu'il vient de constater pour faire respecter les 150 mètres du littoral du lac parce que nous sommes envahis. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.